Hey yo tout le monde, c'est SD, on est parti les gars pour une nouvelle vidéo maillot, la quatrième des quatre vidéos maillot sur la petite série de maillots que je devais vous faire. Donc on a deux maillots aujourd'hui, on est de retour en Espagne avec le Barça, des maillots que je trouve très cool aujourd'hui en plus de ça. C'est mon avis, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont décrit les maillots du Barça cette année. Et moi, je les aime bien. Voilà, moi, je les aime bien. Bon, en plus, ils ont fait un renouveau, le Barça, d'effectif qui est absolument énorme. Et ça passe aussi par ben voilà, un changement de sponsor ventral. Pardon. Et aussi un gros changement, je trouve, dans les maillots. Quoi. Là, cette année, ils nous ont pondu des maillots avec une vraie identité. Et moi, je trouve que c'est réussi. Beaucoup n'aiment pas le petit arc de cercle qu'a fait Nike. Hein, voilà, bon, ça c'est des choses qu'ils ont faites sur beaucoup de maillots, mais moi je trouve qu'il est plutôt bien parce qu'on vient couper direct avec les lignes classiques du Barça, mais qui ne sont pas du tout neutres, enfin, qui ne sont pas pleines. Voilà, il y a peut-être des petites aspérités, des petits contrastes, et je trouve que ça rentre très très bien. Le logo Spotify est très, moi je le trouve très bien aussi. Je trouve que c'est un très beau logo qui s'intègre très bien parce qu'ils sont sortis de leur couleur un peu classique. Et ça rend un maillot que je trouve très cohérent, très beau, porté aussi, c'est des choses à prendre en compte. C'est que là, on voit des maillots, mais les maillots se jugent et s'achètent, selon moi, qu'une fois qu'on les a vus portés. On a avec ce maillot un petit short, voilà, le short est cool aussi, avec du rouge et du bleu, donc ça c'est plutôt cool. Le petit logo en doré qui fait le rappel avec Spotify, évidemment. Bon, vous l'avez vu, il est floqué d'un numéro 9, spoiler, qui est-ce que c'est? Waouh, on se demande hein, qui est-ce que c'est. C'est Lewandowski, évidemment, numéro 9 du coup de cette équipe. Voilà, il a trop de flow ce maillot avec Lewandowski 9, honnêtement. Il est trop stylé ce maillot. Il est trop trop beau. Je le trouve incroyable et franchement, il régale. Voilà, il régale. Refugee Agency, voilà, bon, écoute, on est bien. Mais voilà, Lewandowski 9, ce maillot est exceptionnel. Je vous invite évidemment à aller checker hein, sur AgoFoot parce qu'il y a, bah, il y a beaucoup de maillots, notamment celui-ci. Mais surtout, il y a bah, très bientôt des promos pour le Black Friday, pour Halloween, pour Noël dans un peu plus longtemps. Donc ça va être très bientôt la bonne période pour acheter des maillots sur AgoFoot. Il y a beaucoup de réductions, donc n'hésitez pas évidemment. Les liens en description. Donc voilà, Lewandowski 9. On va enchaîner avec le deuxième maillot qui lui aussi est très joli. Le deuxième maillot qui lui aussi est très joli, le voici. C'est ce maillot. Alors là, il ne rend pas exactement comme dans la vraie vie. Là, il rend un peu plus moutarde alors qu'il est un... Bah, il n'est pas loin du moutarde, pas réellement. C'est le maillot du Barça, donc ce maillot un peu jaune, qui a beaucoup de détails, on dirait pas. On dirait pas, mais il a beaucoup de détails. Déjà, bon, le jaune contraste très bien avec le noir du Spotify, le logo comme ça qui rend doré est super joli. Ils ont cassé le rythme du maillot avec des manches, hein, des manches multicolores. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, multicolores, non, parce que c'est les couleurs du Barça. C'est les couleurs du Barça, donc c'est pas mal. Mais surtout, on va zoomer. On va zoomer. Je sais pas si vous arrivez à percevoir, il y a plein de petits traits de lignes qui, je suis pas sûr, mais ça doit représenter Barcelone, je pense. Hein. On dirait en tout cas que ça représente une cartographie de quelque chose. Voilà, on dirait. Donc dites-moi en commentaire si c'est au pif ou si ça représente une cartographie de quelque chose. Voilà, ce serait stylé que ce soit une cartographie parce qu'il y a, hop là, il y a des grands axes hein, qu'on dirait un peu des autoroutes ou des déviations, quoi. Ou du moins des périphériques. Donc on dirait, donc n'hésitez pas à me dire tout ça, il y en a qui sont un peu experts du Barça, donc ils vont pouvoir m'aider. Bien sûr, il y a un short qui va avec, hein. Un short qui passe très très bien, je vous le mets sous les yeux de suite, qui lui aussi retrouve un peu les petits traits, les petites aspérités précédemment nommées. Voilà, donc numéro 22, le short est très beau, le short est vraiment très très beau. Honnêtement, il régale. Le short est incroyable. Ce maillot porté, il est fantastique. Hein. Ce maillot porté, il a vraiment beaucoup de flow. Si vous voulez faire un peu sensation, c'est ce genre de maillot qu'il faut porter. Il est floqué, évidemment. Hein, on est un peu obligé de les floquer, ce maillot-là. C'est Rafinha que j'ai floqué, numéro 22. Voilà, un petit dribbleur qu'on aime bien. Un joueur qui a beaucoup, beaucoup de qualité, qu'on avait vu à Rennes, évidemment. Voilà, c'est vraiment des beaux maillots. Les deux du Barça cette année, je les trouve vraiment incroyables. Donc, n'hésitez pas à foncer dessus parce que c'est des maillots qui vont partir comme des petits pains. Et dans quelques années, je pense qu'on aura toujours un beau souvenir de ces maillots-là. Voilà, bon, mais écoutez, c'était une courte vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Vous avez le lien d'AgoFoot en description. C'était SD. À très vite. Tchuss.